ça va très très bien. C'est les mêmes, c'est à peu près le même matériel, c'est les mêmes exigences, le volume horaire est à peu près le même. Alors, parfois, c'est un peu plus difficile parce que Georges ou moi, on a un travail, donc il faut arriver à combiner les deux. Parfois, physiquement, c'est difficile. Mais l'exigence de volume d'entraînement et de qualité d'entraînement, elle est la même. Il n'y a pas à faire une comparaison si c'est marqué, si on fait du sport. Si on veut faire du haut niveau, il faut s'entraîner. Vous écrivez bien. Oui. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Le matin tôt ou le soir tard. Pardon ? Des fois, ça commence à 4h du matin. Ah ouais, quand même. Vous quelle heure ? Comment ? Vous dormez quand même ? Quand j'ai fini. Non, c'est après, c'est adapté, ça dépend des... C'est vrai que c'est la grosse différence, effectivement, par rapport à les sportifs d'élite, c'est qu'on est bien obligé de donner le pic par ailleurs. Donc le sport, eh ben, c'est des moments volés dans la journée, hein, soit un peu sur le sommeil, un peu sur les loisirs, un peu partout. Et après, c'est l'envie qui prime. Déjà un truc qui est important pour moi, même si ça marche pas toujours, c'est que quand on fait de l'entraînement, quand on fait des compétitions, c'est super chouette d'avoir une médaille, mais c'est dur l'entraînement, c'est fatigant, c'est contraignant. Et j'essaye parfois, même un petit peu en exagérant, de trouver du plaisir en fait, dans ce que je fais. Il y a des fois, je m'éclate ce matin, j'ai fait un entraînement avec mon entraîneur, avec qui on a fait une séance qui était assez difficile. Et au bout d'un moment, on a fait des trucs un peu rigolos qui servent à rien pour le ping-pong, mais pendant une ou deux minutes, on fait n'importe quoi. Et pour prendre du plaisir, à avoir bossé pendant une heure à faire du panier de balle, la balle elle vient très vite, faut taper dedans comme un fou pendant longtemps. Et bien au bout d'un moment, pour un peu profiter de ça, il m'a mis des balles très faciles et blam, j'ai mis des grands parpaings dedans. Ça n'a pas une grande utilité, mais voilà, c'était marrant. Donc pour moi, c'est important d'avoir... de rechercher du plaisir dans le sport. Alors, tu vois, c'est pas une... Bon, on réfléchit à une devise, mais... Je devais dire quelque chose, c'est se donner les moyens de ses envies. Si tu veux faire quelque chose, il faut que tu t'en donnes les moyens. C'est-à-dire que tu... Si tu veux une médaille olympique, il faut t'entraîner et... Ça va se faire mal. Ça, c'est pas mal. Il n'a rien sans rien. Il faut être présent. Je fais des très très grosses journées et c'est comme n'importe quel employé. Et du coup, je néglige l'entraînement. Je ne peux pas aller le soir à l'entraînement parce que je suis sorti trop tard du boulot. Donc il y a des périodes où je m'entraîne un peu moins que d'autres parce que il faut combiner avec les boulots. Ça va tout seul ? Christian ? Moi, mon meilleur souvenir sportif, c'est après les Jeux de Pékin. Enfin, à la fin des Jeux, à Pékin, j'ai fait un parcours vraiment de rêve. Les Jeux à Pékin étaient organisés de manière absolument parfaite. Contrairement à un peu tout ce qu'on a pu évoquer, les Chinois, eux, ils n'ont fait aucune distinction entre les athlètes valides et les athlètes handis. Ils ont mis deux Jeux, même qualité, même performance. Et on a été accueillis mais de manière vraiment impressionnante avec des conditions de jeu, des conditions d'entraînement, des conditions d'hébergement, des conditions de transport de rêve. Et la Chine, c'est le pays du ping-pong. Donc, c'est un peu comme le foot au Brésil ou le hockey sur glace au Canada. Enfin, c'est vraiment un pays qui vénère ce sport. Et on a eu des conditions de jeu qui étaient absolument incroyables. C'était pas un grand gymnase. Au début, il devait faire 25 000 places. Ils ont fait un gymnase de 5 000 places. Pour la Chine, c'est minuscule. Mais par contre, l'ambiance était fabuleuse. Et moi, j'ai eu la chance en Chine donc de faire un super parcours et de gagner le titre de ping-pong. Et le plus gros souvenir que j'ai, c'est à la fin des Jeux, j'avais des copains qui étaient venus, ma femme qui était présente, mon père qui était là, mon coach qui était là, et quelques potes, et ils étaient complètement en folie, ils dansaient, ils avaient sympathisé avec des Chinois, et j'ai vu cette image où ils étaient vraiment rayonnants, et je me suis dit, wow, partager ça, c'est quand même cool.
après la compète, vraiment après la compète, enfin, quelques minutes après la compète, j'ai dit, voilà, pur bonheur, c'était vraiment génial. C'est même pas un coup. Des moments comme ça, c'est. Ça revient, c'est chouette. Moi, j'en ai deux, hein, qui est un petit peu ancien, parce qu'avant d'être skieur, j'étais nageur. Et donc, au jeu paralympique de 84, on participait au relais 400 mètres 4 nages. Et ça a été vraiment. Les relais, c'est vraiment quelque chose de très très particulier au jeu. Et ça a vraiment été un grand, grand moment. Un moment de partage et d'intensité qui est vraiment super. Et le deuxième, qui est un petit peu plus récent, qui n'est pas du tout en compétition, c'est que j'étais parti faire un grand tour de vélo avec un copain, parce que je voulais faire le parcours de, je ne sais peut-être, le marmoton, la marmotte, c'est partant de Bourdoisan, faisant la croix de fer, redescendant sur la Maurienne et remonter le Galibier. Et la remontée du Galibier, quand on l'a faite, c'était deux jours avant l'étape du Tour de France. Et avec des tas de gens qui étaient, des tas de camping-cars qui étaient longs de la montée, ça a été vraiment une montée fabuleuse. J'avais l'impression d'être à côté de mon vélo à ce moment-là. Et puis l'échange qu'il y a eu avec mon copain qui était valide, c'est vraiment quelque chose de. Je crois que c'est un des souvenirs qui me marquera longtemps. Une question sur les qualités qu'il fallait avoir pour devenir un grand sportif. Quelles sont les qualités, les premières, les plus importantes qu'il faut savoir développer? Tête de mule. Ouais. Tête de mule. Ah non, c'est pas ça. On a des mules. On a des mules. Dan. Il faut y persévérer. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a des mules, c'est difficile. Ils sont faciles. Ils étaient là tant. Ah, bosser quoi. Donc vraiment, c'est important la qualité d'entraînement pour arriver au niveau. C'est pas faire l'entraînement de bourrin et enfin l'entraînement pour faire l'entraînement. Donc l'aspect qualitatif est important. Mais après, voilà, c'est des heures de prépa physique ou des heures d'entraînement, et des heures et des heures et des heures. Et c'est jamais assez bien. L'entraînement, j'aime bien, c'est un peu tête de muscle, pour y retourner. Jamais assez. Il faut avoir le mental. Ouais, c'est contribuer. Oui, c'est pareil. Donc, selon les moyens que l'on a, si on va arriver à certaines performances, et bien aller dormir chez un pote, par terre, voilà. C'est trouver une voiture pour aller à l'entraînement. Voilà, si t'es pas motivé, ta voiture, et puis tu restes chez toi, tu vois toi qui le fais, et puis voilà. Donc, c'est ça aussi l'entraînement. On l'a pas fait exprès. Je sais pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour aller au bout de ses envies, il faut s'en donner les moyens. Donc, donnez-vous les moyens de ce que vous voulez faire, hein, et puis faites-le à fond. C'est le meilleur moyen d'en profiter. Mieux. Non, mais c'est juste rajouter la notion, et puis elle vient souvent un peu tout seul. C'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de difficultés, c'est beaucoup de travail, que ce soit dans le sport ou dans la préparation d'un diplôme ou au niveau boulot. Et il faut être content de ce qu'on fait quand on fait un résultat. Ben, voilà, il faut savourer aussi ces moments-là, il faut en profiter. Il faut se faire plaisir dans accomplir quelque chose. Il ne faut pas se priver de ces plaisirs-là.